Yo les gens, c'est Slazy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tuto, le troisième tuto sur la chaîne de comment modder Minecraft Pocket Edition, mais sur le solo. Pour le multi, je ferai ça pour une prochaine vidéo car je suis encore en train de chercher. Bref, vous allez sur le Play Store, vous allez installer Block Launcher. Vous l'ouvrez. Une fois ici, en fait, vous allez voir ça, vous allez faire play, ça va venir normal quoi. En fait, vous voyez Minecraft, au-dessus du C, il y a une petite clé à molette comme ça. Vous appuyez dessus. Vous allez dans Launcher Options. Et là, vous allez activer ce que vous voulez, par exemple, pack de textures. Gérer. Mods, ça aussi, là, si vous allez là, attendez, hein. Non, je vais faire un skin, parce que j'ai téléchargé un pack de cartes, mais je sais pas. Comment les mettre? Attendez, je cherche. Cherche un fait tout. Bref, ce sera sûrement pour une prochaine vidéo. Comment installer ce skin, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous devez redémarrer l'application. Vous allez tout simplement ici, là, redémarrer l'app. Vous attendez. Elle va redémarrer, mais sous une autre image. Une fois que vous êtes là, vous allez play. Non. New. Et on va faire une création. On va faire avancer. Je regarde quelque chose. Vous savez quoi? On va faire new. Création. On va l'appeler. Tuto. Off. Créer le monde. Vous voyez la petite clé qui est affichée, c'est ça. Ça se voit que c'est déjà modé. Regardez les arbres. On va y aller dans les touches aussi. Non, enfin non, les touches, normal. Je me trompe avec un autre jeu. Attends, il y a faim. Quelque part, on fait. C'est quoi ça? C'est un chien? What? Oh, attendez, j'ai pas de confiance. Ah. Je rêve où c'est un chien. Vous avez bien. Ah, bah si. What? Non, 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 désolé. Oh, ils attaquent carrément. Oh, mais de toute façon, je peux pas mourir. Ah, il vous attaque. Ah, c'est sympa ça. Donc, faut pas trop s'approcher d'eux quand même. Si je pouvais remonter. Comme vous voyez, il y a des trucs qu'on voit même pas. Il faut lire en fait ce que ça affiche. On regarde un peu. Il y a un, c'est pour faire spawn des animaux, mais. Bref, aussi dans. Voilà. Par exemple. Non, on va faire. Ça. Spawn. On va faire spawn quelque chose. Comme vous le voyez, on va faire spawn des animaux. Oh. Sauf qu'il est devant moi. On a quoi d'autre? C'est ici si je me trompe pas. On peut faire spawn ce qu'on veut.
What? C'est quoi ça? Ok. C'est une vache. Si je fais soin de ça. Le sang noir. Ok, ça attaque ce truc. Oh yo! Attends, attends, attends. Non, mais je rigolais. Ok, ça va la bagarre. Vous voyez, vous pouvez faire spawn des choses. Ça vous attaque carrément. Comme vous le voyez. On détruit ça. J'en ai fait spawner un peu trop, ça fait trop. Mais ils font spawn ou quoi? Mais. Ah non, lui il est pas encore. Voilà. On va reculer d'ici. Oh, je vais pas monter. Ah, carrément, maintenant. What? J'ai un petit bug. C'est dommage. Donc je vous ai un peu montré comment modder. Vous avez un peu de tout quoi. Regardez ça, c'est quoi encore? Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une barrière. Ah ouais, pas mal. On a quoi d'autre? Ici on a on a fait de tout hein, dessus, qu'on a fait à la vase, comme ça. Ça c'est... Quoi d'autre Je crois pas qu'on avait ça avec le diamant et tout. Et quoi, dans les armes, un truc bizarre. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Le mode sans jag a été activé pour éviter. Dans ce mode, tous les modes sont désactivés. Je veux retourner dans les modes. Donc, parce que je vois des fois, ça fait des vagues. On était dans le monde tuto. Hop, on revient où on était. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un effort. Des trucs invisibles, mais. Ok. Je sais pas c'est quoi. Si ça affiche noir, ça va rester noir en fait. Donc, il vaut mieux trouver un truc où il y a pas de noir. Comme là, vous voyez. Ouf. Ici, on a des trucs un peu bizarres. On va détruire ça. Ça va défausser. Ça c'est quoi ça? What? Ok. Bref, les gars, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao!